pas. Monsieur Galliano est anxieux à l'idée de se présenter devant un tribunal pour assumer ses responsabilités. Il est serein et soulagé de se présenter aussi lucide, sobre, devant le tribunal pour dire ce qu'il a vécu ces dernières années et pourquoi il a été conduit à des outrances qui n'étaient pas les siennes mais qui étaient celles d'un homme malade. Pas simplement un état alcoolique, un état pathologique malade qu'on atteste par une expertise médicale qu'on produit au débat. Il va expliquer ce qui s'est passé. Il n'a pas de souvenir de ce qui s'est passé, mais il va expliquer avec ses propres mots ce qu'il a vécu et pourquoi, par quelle spirale il en est arrivé là. Des regrets, pas simplement je ne me souviens pas, c'est un second moi qui l'aurait dit que je ne cautionne pas. Des regrets, des excuses, voilà. C'est pas encore. Des propos pareils, ça doit se payer. Il y a beaucoup de peuple juif qui a été décimé pendant la Shoah, la guerre mondiale. Et qu'une personne avec une telle notoriété dise des mots pareils, c'est certain et certain qu'il doit être jugé. Maintenant, on dit chez nous que sous l'alcool, il y a une partie de la vérité qui sort. Alors même s'il était sous alcool, pour moi, il a dit quelque chose qu'il avait dans son cœur. Je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on dit, essayer de faire attention à ce qu'on dit. En même temps, s'il a tenu des propos antisémites, c'est que quelque part, il doit quand même, au fond de lui, quelque part, même si c'est des choses qu'il aurait peut-être pas dit en étant sobre, c'est quand même des propos qui... C'est des choses qui pense, quoi. It was an emotional trial, because Mr. Galliano himself recognized that he had been under the influence of alcohol and different sorts of medications, including sleeping pills. And he talked extensively about how the pressures of this very high-pressure business that is fashion forced him in a certain way to start taking alcohol and taking drugs, and that he was not in a good state when these two incidents occurred, and that now he's sought treatment and he's a different man.